matière de production le nom de Magic Touch. Magic Touch, c'était le producteur, le beatmaker qui travaillait avec Wendy, que ensemble ils ont fait un paquet de bel travail. Et à ce qu'il paraît, nous pas gain donné dans mais nous pour ça, mais t'as semblé que yo pas trop en bon terme encore. T'as semblé. Maintenant, les GMS parlent Wendy de Magic. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement exposé, éprouvé tout son amour, ou bien tout l'amour qu'il a pour Magic. Sans frustration, sans colère, sans haine, Monsieur Show Love. Ça important. Bon, pour éviter trop long, le quatrième point, je pense quatrième ou bien cinquième, en tout cas quatrième point, cinquième point, c'est la réconciliation. Dans l'interview, Wendy fait réconciliation comme zamni, comme boussole. Pour qui ça? Un, monsieur montre à clair que li réconcilie avec tête li. Et c'est extrêmement important. Li important les ou versé de la spiritualité que ou d'abord choisi réconcilier avec tête pao. Et c'est exactement ça Wendy fait. Wendy montre que li réconcilie avec tête li. Et li réconcilie avec tout le monde. Mais li réconcilier indirectement. C'est-à-dire, ce n'est pas de manière directe qu'il est réconcilié. C'est-à-dire que Wendy, il n'a aucun problème avec les autres ou avec ses anciens amis. Mais ce n'est pas directement qu'il le fait ou qu'il l'a fait. C'est juste lui éprouver de l'amour, pas aucune haine, donc aucun problème, nous réconcilier. Et pour monsieur capable de courir ça, comme dit là, monsieur prend exemple deux musiques sur l'album, album 3. Monsieur prend un exemple sur musique solo, et monsieur prend deux exemples sur musique conseiller. Solo avec conseiller, c'est de musique où il y a beaucoup de moi. C'est-à-dire, où j'ai l'impression que c'est des histoires personnelles que Wendy a raconté par rapport avec ça que lui-même a traversé pendant la dernière année. Ça y a. Donc, comme il a été trahi, il a été blessé. Et maintenant, Dieu l'a sauvé. Et sa famille l'a encadré. Maintenant, il vend de l'amour. Et avec l'amour, il choisit de réconcilier avec tête. Et avec Mounioto. Là, nous avons 5 points. Sixième point. Trahi et blessé par qui, je ne sais pas, madame, mais je suppose qu'il a été blessé et trahi par ses amis ou son entourage, tout simplement. Et il a dit dans l'interview, c'est clair. Bref, nous ne pas miser sur ça. Maintenant, pour nous avancer sur le sixième point, qui c'est le pardon. Le pardon pour qui ça? Et si nous avons regardé l'interview, nous sommes capables de sentir ça, surtout dans la deuxième et troisième partie. C'est que Wendy montre à clair que lui pardonne. Wendy montre que le pardonne parce que, et là nous allons entrer dans les non-dits dans l'interview.
On dit montrer que lui pardonner parce que à chaque fois JMS pose deux questions qui gagne pour avec deux monde Kota va penser que monsieur gagne problème avec eux et puis monsieur just show love ensemble avec eux. Et autre chose, ce qui est fort de sa part, c'est que à chaque fois il pose monsieur question sur monde qui t'a laissé au comprendre qui raille monsieur et monsieur t'a raille tout. Monsieur Joss dit que hey moi-même son monde qui grandit et rien monde pas arrivé sur moi. Je comprends tout le monde et me choisis pardonner. Ça c'est extrêmement important. Maintenant toutes six points ça yo yo arrivé à accoucher qui ça exactement? Yo arrivé à accoucher la vision, la stratégie et surtout la progression de Wendy. Progression musicale et commerciale. Adieu. En tout cas,